Alors bonjour tout le monde, reprise du travail comme d'habitude, hein. On est lundi 31, comme on avait dit, on rouvrirait aujourd'hui. On a ouvert aujourd'hui, bon la semaine de vacances s'est bien passée, façon de parler. Il y a mon petit assistant qui est en train de faire des petites... non, il veut venir, donc vous allez être grande chance que vous allez le voir. Donc je vais faire la petite vidéo de la semaine, je vous annonce que... Il n'y a pas trop de changements par rapport à la semaine prochaine, mais bon, on va voir ce que donnent les cartes. Donc, j'ai bougé la webcam, hein, comme d'habitude. Vous allez peut-être avoir un petit bébé qui va arriver dans le coin. C'est pas grave. Voilà. Allez, on mélange. Bon, j'ai changé la place de mon bureau, c'est pas pratique. Mais en même temps, je peux pas faire autrement parce qu'il y en a un qui s'amuse avec les écrans. Donc voilà. Alors, Guillaume m'a donné le 6. 1, 2, 6. L'impératrice en vert. Périne et Rosine m'ont donné le 4. L'empereur en vert. Eh ben. Corentine m'a donné le 12. 1, 11, 12. Le fou en droit. Laurent m'a donné le 18. La papesse en vert. Oula, ça annonce du nettoyage par le vide ou quoi là? Gérald, Marie-Laure, Annette et Jojo m'ont donné le 7. Le jugement en vert. Julien m'a donné le 10. Le pape, en droit. Aurélien m'a donné le 5. 5. Les amants, en vert. Alors, le monde, c'est un pseudo, hein, c'est pas la carte, c'est le monde étudiant, exactement, c'est une consultante. Daniel et Christine m'ont donné le 8. La lune en vert. Et François m'a donné le 16. 2, 15. Et le char en vert. Alors, qu'est-ce que j'en conclus de tout ça? Moi, j'ai, comme je vous disais la semaine dernière, d'ailleurs, on peut faire le point par rapport à la semaine dernière, j'avais parlé de beaucoup de choses. Là, pour l'instant, comme je vous disais, on est un petit peu dans une situation de stagnation par rapport à, par rapport au juillet-août, les vacances, etc. Donc, les gens ne bougent pas. Moi, je ressens toujours ce truc où les gens, on va dire à la rentrée, fin août, début septembre, ça va bouger méchamment, malheureusement. Et c'est ce qui me fait peur par rapport à tout ce qui est en train de se passer en France, en train de ce que l'État est en train de nous pondre au niveau des lois, etc., etc. Ça va chauffer, quoi. Hein, ça, c'est le truc qui me fait vraiment peur. Maintenant, quand je parlais de la Corée du Nord, je ne sais pas si vous avez vu, mais la Corée du Nord fait comprendre aux États-Unis qu'il peut être attaqué à n'importe quel moment. Il peut attaquer à n'importe quel moment parce que maintenant, il a les missiles pour attaquer les États-Unis n'importe où. Et il s'en vante.
Moi, franchement, c'est la Corée du Nord, leur président me fait relativement peur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il me fait peur, ce mec. Il est complètement ravagé. Le problème, c'est qu'il est suivi par la Chine. La Chine le soutient. En même temps, ils sont pays côte à côte, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément, c'est ça, c'est la Corée du Nord. Ils sont très très inquiétants, ce mec-là est très inquiétant. Quand vous voyez que par exemple, dans un élevage de tortues, il a estimé que les tortues étaient maltraitées, tous les employés ont été condamnés à 10 ans de prison ferme. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Faut savoir qu'il a tué des membres de sa famille qui étaient contre sa façon de penser. Il y a un de ses neveux qui vit à Londres, qui est surveillé 24 heures sur 24 par la police en Angleterre londonienne, parce qu'il veut le faire, il veut le faire tuer. Il est étudiant, le môme, il veut. Le président de la Corée du Nord veut le faire zigouiller parce qu'il est contre lui. Donc vous voyez à quel point il est complètement taré, ce mec. Moi, c'est un mec qui m'inquiète énormément. Je vous dirais qu'il n'y a pas que lui. Comme je vous le dis et je le redis depuis 2 ans, les pays qui me font peur, c'est la Corée du Nord, bon, la Corée du Nord, bien sûr, l'Iran. Parce qu'ils jouent les bons samaritains, etc., etc. Mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de préparer un coup fumasse. L'Arabie Saoudite, qui m'inquiète énormément. Il y en a encore un autre, je sais plus, c'est l'Irak. Bon, c'est le bordel en Irak, mais ça, c'est pas grave. Donc ça, voilà, ça c'est l'ère globale mondiale où il y a quand même beaucoup beaucoup de tensions qui sont assez dangereuses, on va dire. Surtout la Corée du Nord, quoi. Au niveau de la France, bah, je revois toujours des migrants arriver. Le problème, c'est que l'État veut aider les migrants, c'est bien gentil. Mais quand je vois l'argent qui est dépensé à tort et à travers, je vois je sais plus quel pays africain où monsieur va verser. Si je me rappelle bien, ça doit être 2,4 milliards d'euros pour aider le pays. Non, c'est pour construire un métro. On est en pleine restriction et monsieur se permet de balancer de l'argent à droite à gauche, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est pour ça que je vois cette guerre civile arriver, mais à plein pot, quoi. Les gens en ont franchement ras-le-bol. Pour l'instant, comme je vous dis, c'est les vacances, donc personne ne réagit vraiment. Mais quand ça va vraiment réagir, ça va franchement faire mal au cul. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est ça. C'est malheureusement, c'est la dure réalité des choses. Il va y avoir des morts. Détruire pour reconstruire. Problème, il est là, quoi. Donc voilà les prédictions. Donc comme je vous disais, on est rouvert. Hein, là, on est ouvert jusqu'à 13 h. On rouvrira ce soir 20 h. Donc ceux qui veulent faire ma connaissance, bah, n'hésitez pas à venir sur le site. L'inscription, le chat sont entièrement gratuits. On va pas vous demander votre carte bleue. Je vous rassure. La seule chose qui est payante sur le site, c'est la voyance. Point. N'oubliez pas aussi la petite boutique de Virginie, c'est ésotérisme.com. Vous allez trouver tous les produits que vous avez besoin, des produits naturels, genre bâton d'encens en grains, etc., etc. Si vous avez des doutes sur des produits, bah, n'hésitez pas à venir sur le site où vous posez la question à Virginie, à quoi sert telle et telle pierre? Elle va vous répondre. Elle va pas vous envoyer balader, au contraire. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Je sais plus. Je vous
vous rappelle aussi qu'il y a toujours le petit concours sur YouTube, 800e, 800e inscrit, enfin abonné, gagne 10 minutes de voyance gratuite. Donc n'hésitez pas. Bon, je sais, c'est pas les mêmes lunettes que d'habitude. J'ai oublié mes lunettes habituelles chez ma belle-mère. Ça arrive. Heureusement que j'ai une paire de rechange. Donc sur ce, bah, à ce soir, parce que vu l'heure qu'il est, ça sera pour ce soir. À ce soir, 20h, pour ceux qui veulent faire ma connaissance en réel et discuter avec moi sur le site. On peut parler de tout, vous inquiétez pas. Bah, on peut pas, on peut ne parler, parler on peut, enfin, on peut parler autre chose que de la voyance. Par exemple, on peut parler ma façon de penser sur certaines choses. Mais ça, c'est autre chose. Donc, je vous dis à ce soir 20h sur le site.